Mais pendant que je suis en train de parler, je vois un esprit de mort. Qui me dit, elle devait partir à la place de sa sœur. Je ne sais pas comment elle a dribblé ce cas, mais nous sommes venus pour la chercher cette année. Elle est dans la salle. Ton père et toi êtes nés le même mois. Il y a une réclamation de mort sur toi qui fait que tant qu'on ne prie pas pour toi, tu ne pourras pas briller dans ta destinée. Lève la main droite. Est-ce que je peux prophétiser? Oui. Madame, donne-moi ta main droite. Approche. Papa, je ne change pas la cadence que tu jouais. Je vois de l'eau derrière toi. Là où je suis arrêté, je ne suis pas en France. Je vois de l'eau derrière toi. Mais c'est comme si mon esprit m'envoie dans un pays de l'Afrique centrale. Ne dis rien. Je te vois tomber. Tu piques un AVC. Madame, je vois une femme. La femme est à pointe noire. Tu viens de pointe noire? Hein? Si c'est faux, dis c'est faux. Je vois une femme qui a peau noire, qui est en train de travailler contre toi. Elle est allée devant une rivière. Ils ont cassé des œufs, ils ont fait des choses pour vouloir te détruire. Parce que depuis quelque temps, tu as commencé à sentir des palpitations. Oh my. Tu es allé à l'hôpital? C'est quoi cet appareil là? Ton cœur bat trop vite. Ton cœur bat vite parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a une nouvelle de mort qui doit arriver. Tu vas piquer une crise et puis tu vas tomber. Et à cause de cela, depuis quelque temps, ton cœur a commencé à battre. Mais ça vient de Port, ça vient de Pointe-Noire. Il y a un rituel qui a été fait contre toi. Mais si Dieu m'a établi et qu'il m'a ouvert, je parle sur ta vie ce soir. Que l'Éternel va changer les choses en ta faveur. Il y a une couronne qui est sur toi. Je vois l'histoire d'une femme dans la Bible qui a marié un roi riche. Ils l'ont fait asseoir sur un trône. Elle a pris la place de Vasti. Ils l'ont fait asseoir et ils l'ont élevée. Et elle s'appelait Esther. Demande-lui comment elle s'appelle. Tu vas te marier parce que the time is your time et le temps est arrivé. Attrapez-la très bien parce que je vois un homme, c'est un démon qui sort des eaux et qui arrive derrière elle. Il me dit, elle m'appartient, elle est à moi. Mais je commence ce soir qu'elle ne t'appartient pas, elle ne t'appartient pas. Ce mari de nuit, il capitule. Sors, sors, sors. Je vois un canarien vautour qui est derrière une personne. Ce cadavre-là vient de Cotonou. Il vient du Bénin. Il est en train de bouffer ta destinée. Il t'a fermé la porte. Fais un pas en avant. Lève les mains là où tu es. C'est quoi le nom? Je vois A, D, J, O. D, O. Adja. Adjado. Hein? C'est le nom de ton père. La gloire de Dieu va descendre dans votre famille. Mais il y a un vaudou qui veut fermer ton histoire. Ton père, toi et une femme qui est morte, êtes née le même mois dans votre famille. J'entends la voix de la femme depuis le séduit des morts qui est en train de m'expliquer comment est-ce qu'on l'a tué, comment est-ce qu'on l'a détruit.
depuis, je vois, 2014. Hein? Octobre 2014. Hein? Le 7 octobre, c'est le jour qu'elle est enterrée, qu'elle est morte. C'est ce jour-là que son âme est entrée dans le séjour des morts. Et elle me rappelle combien de fois la sorcellerie a travaillé contre votre vie. Et elle me dit que c'est toi qui devais aller à sa place. Mais elle a pris sa place, ta place, parce qu'elle t'a beaucoup aimé. Il y a comme un lien fort entre vous deux qui fait que même jusqu'aujourd'hui, tu parles encore d'elle, tu te souviens d'elle. Même dans tes rêves, tu la vois. Même pas quand tu m'as, tu sens parfois comme si elle est à côté de toi. Parce qu'elle a été retirée de ta vie par la sorcellerie. Ils l'ont détruit par une courte maladie et ils l'ont enterrée. C'est un programme de mort. Et ce programme de mort-là a été établi dans ta famille. Du côté maternel, ils en sont là pour te détruire. Et je vois, pendant que je chante le prophétiser, que j'entends un prénom. Le prénom commence par la lettre A. Je vois A, je vois L. Je vois comme le prénom de Alphonsine. Alphonsine, Alphonsine, elle est enterrée, elle est morte. Est-ce que tu veux dire prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? C'est bizarre, papa. Est-ce que je peux prophétiser? Le jour où elle est morte est le même jour où elle est née. La date de sa mort est la même date de sa naissance. Elle est morte le 7 octobre, mais elle est née le 7 juin. Hein? Elle est née le 7 juin. Et toi, tu es né aussi en juin. Et ton père est né en juin. Est-ce que tu peux dire amen? Les esprits qui ont enterré ta soeur veulent aussi t'enterrer. Ils ont enterré ton mariage. Ils ont enterré ta fécondité. Ils ont fermé la porte à tes enfants. Mais qui s'appelle Marco? C'est ton fils? Ton premier fils? Il joue un peu, il a déjà joué un peu au sport. Hein? Un peu au football. Parce que je vois des paires de mal dans ses pieds. Mais comme s'il a marché sur des clous. Et je vois du sang qui sort de ses pieds. Ils ont détruit la destinée du football. Et aujourd'hui, ils se cherchent. Mais toi-même, je te vois en train de tresser de coudes, de tresser la tête des gens, de leur faire le maquillage. Tu es dans l'esthétique? Tu es dans l'esthétique? Est-ce que je peux aggraver? Dieu te prépare à une autre gloire. Dieu te prépare à une autre dimension. La mort qui était préparée contre toi dans le mois de juin. Toi également, tu t'es préparé à mourir dans le mois de juin, mais mourir à la date d'anniversaire. Et je vois un programme de mort sur ton père qui devait mourir à la date de l'anniversaire. C'est une parole de réclamation qui a été faite par ta mère. Il y a une histoire à ta naissance. Ta mère est allée consulter des esprits avant que tu ne naisses. Avant que tu ne naisses, elle avait des incapacités à concevoir. Elle est partie à Kinshasa. Elle est allée voir une famille, une femme de 20 ans. On lui a donné une eau. Elle a lavé son ventre. Elle a lavé. Oh my God, oh my God. On lui a donné une eau. Elle a fait sa toilette. Et après ce temps, elle est tombée enceinte. Mais avant de tomber enceinte, il y a un rituel qu'elle devait faire. On lui a dit que cet enfant, tu ne dois pas t'approcher de lui. C'est pour cela que depuis lors, elle s'est retirée de toi. Et tu as comme l'impression qu'elle ne t'aimait pas. Mais c'est parce qu'il y a une règle qui a été donnée à ta date de naissance. Le mariage avait été interdit dans ta vie. Parce que ta mère t'a enfanté, mais par un papa, par un contrat avec un esprit dans les eaux. Ils l'ont dit, mais elle ne se mariera jamais. Mais je suis venu ce soir te dire, je suis venu dire à ton étoile, je suis venu rectifier l'erreur qui a été rattrapée dans ta vie. Tu es sorti du vent de ta mère, mais tu es venu du ciel. Tu es sorti du vent de ta mère, mais tu as été conçu par le ciel. Tu came from heaven. Et je déclare, je prophétise que parce que tu étais conçu par les mains du ciel, le ciel a décidé de former une histoire dans ta destinée et d'apporter le mariage. Parce que la gloire de Dieu se lève ce soir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je prophétise que le mois de juin ne sera pas une malédiction pour toi. Le mois de juin ne sera pas un problème pour toi. Tu as trop pleuré. Tu as tout été lamenté, mais je commande. Quelqu'un prend la main vers elle et on commence à prier pour elle. Je déclare et je prophétise que ton histoire est rectifiée au nom de... Tu as raté la prison. Ouais.
vous plaît. Ouais. Je vois comme si on voulait même t'enchaîner. Hein? Une affaire qui a failli tourner au vinaigre. J'ai fait du bien à quelqu'un qui m'a retenu l'ascenseur comme ça. En voulant m'envoyer en prison. Ouais. L'argent va venir dans ta vie. L'argent, je dis l'argent va venir dans ta vie. Ce qui t'a sauvé, c'est ton cœur. Ton cœur est bon. Ton cœur n'est pas noir. Tu as aidé les gens. Ton cœur n'est pas noir. Tu as aidé des gens. Mais je te fais un travail. Mais pas ici. Après le culte, viens me voir. Il y a un travail qui est fait pour toi. Ça va attirer l'argent. Tu vas devenir comme du miel qui attire des mouches. Makayama kadosa kadaka yebaha. Brabo brakana. Reko shakinaha. Soko toko tokoyo. Attends. Tu as eu une bataille avec une femme par rapport à un enfant. Ouais, ma femme, mon ex-femme. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Maman, je te vois retourner en Guadeloupe, mais tu es en train d'hésiter. Tu es en train de tout faire pour ne pas y aller. Je te vois retourner à cause d'un problème de tribunal. Il y a deux enfants, c'est comme des petits-fils. Je vois des enfants pour lesquels tu es en train de te battre. Et à cause de ces personnes-là, de ces enfants, tu es en souci avec un juge au tribunal qui est sur le point de te menacer de quitter le territoire et de te ramener en Guadeloupe. Je ne sais pas si je vois bien. Hein? Hein? Y a-t-il un problème de maison? Oui. Hein? Je vois le chiffre 14 sur ton front. Et je vois encore 14. Tu étais à la justice même aujourd'hui. Ce matin. Et t'ont dit si tu ne trouves pas une maison. My God. La juge t'a donné 2 semaines. Hein? 14 jours. 2 semaines. Que si tu ne trouves pas une maison pour les enfants, on te ramène en Guadeloupe. Hein? Si c'est faux, tu dis c'est faux. Hein? Dans la famille de leur papa, hein? Il y a un hôtel de famille. Il y a une guerre entre le père et la mère. Ce père-là est allé travailler et il allait faire une consultation de récupération d'enfants. Est-ce que tu crois? Hein? Avant les 14 jours, je me tiens dans mon appel et je mets mon manteau des filles. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Ces deux enfants sont un miracle pour toi. Je vois un homme que Dieu, que l'ange est en train d'agiter. Tu vas trouver une solution. Quelqu'un a retourné le cœur du juge. Je vois la photo du juge qui a été mise sur un canari. Et puis ils ont mis le canari sur une vitre. Et ils ont et par la vitre, on a accès à tous tes procès. Tous ceux qui ont des procès en justice, lève la main pendant que je prie pour elle. Parce que pendant que je suis en train de prier pour elle, l'ange me dit que tous ceux qui ont des soucis, des documents à la justice, la main de Dieu est en train de créer un bouleversement en ta faveur. Ne pleure pas, ici on ne pleure pas. Ici on vient pour sécher les larmes, dis amen. Ici on ne pleure pas. Sois en paix, parce que le cœur, la juge c'est une femme, hein? C'est une femme. Il y a le cœur d'une femme sur une vitre, je vois le cœur de la femme juge. Ils l'ont déjà levé contre toi. Ils ont touché un avocat par relation. C'est ça? Hein? C'est par relation. La dame même est au courant de ta vie. On te connaît. En fait, avant même le procès, ils l'ont déjà monté contre toi. Et puis, ils ont appuyé ça dans le spirituel. Mais tu as rencontré ce soir l'Éternel qui vient à ta rescousse et qui te libère. Je dis le cœur de la juge. Est-ce que tu me connais? Hein? Est-ce que tu me connais? Le cœur de la juge est changé par la puissance et par l'onction de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Qui est Guylaine? C'est vous? Hein? Venez. Arrête-toi là. Je vais te choquer. Hein?
Ta maman là, ta maman, hein? Ta maman fait pas la sorcellerie, mais ta maman est utilisée inconsciemment, hein? Lui, je vois l'aéroport Maya Maya de Brazzaville. Tu es de Brazzaville, hein? Tu es un pasteur, tu as été consacré. Hein? Tu as été consacré, mais ton ministère là, ton ministère est dans un cadenas. Il y a une œuvre de sorcellerie qui est derrière. Que Dieu me donne la sagesse, je ne pourrais pas dire tout ça, d'accord? Qui est derrière, mais votre maman, de un, l'on veut la tuer, d'accord? Mais de deux, il y a un problème entre vous où on veut vous séparer. Je vois un divorce, je vois des troubles dans votre couple. Mais qui viennent par l'œuvre de la... Si c'est faux, tu dis c'est faux. Hein? Ton prénom commence par A. Il y a un A sur ton front ici. Hein? Et ça finit par T. Anissé. C'est ton prénom? Dieu te connaît. Une fille est ici. Tu étais d'abord en Italie avant de venir en France. Jessica, c'est qui? Arrête-toi là-bas, lève les mains. Il y a un cercueil. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut être réel? Pendant que je parle de sorcellerie, je vois un cercueil derrière cette femme. Quand tu dors, tu vois beaucoup la mort, tu vois beaucoup la mort, tu vois beaucoup la mort. Hein? Depuis un certain temps, tu vois la mort. Parce que en effet, je vois une maladie. Je vois comme on veut te jeter un sort. Tu vas commencer à maigrir, mais ils ne trouveront rien. Tu vas aller à l'hôpital, ils vont chercher rien. Mais parce que ça quitte au Gabon et des gens veulent te détruire. Parce que tu as quitté le pays et que tu es devenu l'espoir de ta famille. Ils ont commencé à t'indexer de loin. On dit, mais si on ne la tue pas vite, elle va venir sauver sa famille. Et je vois la mort qui veut te suivre. Mais je commande ce soir que la mort te lâche. Ça. Aidez-la. Apporte-la moi par devant. Papa Anissé, je vois un programme de divorce. Et votre vie a été beaucoup combattue. Tu as été humilié parce qu'il y a une de tes enfants pour qui tu as beaucoup d'amour, qui s'est retirée de vous, qui a quitté la maison. Hein? Elle est où actuellement? Vous ne savez pas? Hein? Toi tu es de la Guadeloupe? Hein? Mais je vois ta fille au bord de la mer en Guadeloupe. Là maintenant. Et ta fille est en relation avec un monsieur qui a des druides. Elle va revenir. L'on veut te tuer, mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a une de tes tantes maternelles. Elle ne t'a pas aimé. Ils sont en train de comploter contre toi pour te détruire. Pour créer un problème. Tu as des douleurs de ventre souvent. Hein? Hein? Si c'est faux, tu dis c'est faux. Hein? Est-ce que tes menstrues sont souvent dérangées? Tu as souvent des écoutes, mais ça, c'est pas aussi toi. Mais quand tu dors, tu te vois beaucoup dans l'eau. Tu vois beaucoup de l'eau. Parce que je vois un mari de nuit. Quand tu dors là, tu as souvent des rapports en rêve. Hein? Si c'est faux, tu dis c'est faux. Il y a un esprit, lui, il est dans les eaux du Gabon. D'accord? Et il est envoyé contre toi pour détruire de un ta vie matrimoniale et de deux pour te mettre dans une certaine perversité. Les hommes viendront et vont partir. Tu n'as jamais eu de paix en situation sentimentale. Quand un homme vient, qu'il couche avec toi net, il est comme fatigué, il repart. Tu ne le vois plus. C'est comme si tu commences à lui donner une mauvaise odeur. Il ne veut plus te sentir. Parce que le mari de nuit est venu, a été envoyé par le côté maternel. Il est venu détruire ta vie. Et pour mettre dans ta vie la maladie, pour que tu ne puisses plus jamais te retrouver. Mais ce soir, pendant que je parle, je vois des bouteilles de gin et de liqueur. Pour faire ce travail-là, ils ont pris 3 bouteilles de liqueur. Ils ont versé par terre. Et puis ils ont dit ton nom, Jessica, Jessica. Ils ont parlé dans un patois gabonais. Ils ont demandé à ce que le démon des eaux vienne te chercher et qu'il vienne attraper ta vie. Depuis cet instant-là, tu étais en Italie, mais après tu es venu en France, c'est ça? Tu es venu en France, tu as commencé à étudier en Italie. Tu es venu pour les études, mais tu as été bloqué
parce que l'on veut te renverser et te détruire. Parce que pendant que je parle de sorcellerie, la sorcellerie est aussi liée aux eaux. Les eaux de votre côté qui ont été invoquées avec les eaux à Brazzaville pour vous détruire. Et pendant que je parle des eaux, Dieu me dit, une autre femme du nom de Jessica est sur le point de mourir par maladie précoce. L'on veut la détruire parce qu'elle est l'étoile de sa famille. Il faut qu'on la renverse avant le temps. Mais va et sauve-la. Voici pourquoi maintenant même, pendant que je suis en train de parler, il y a un ange qui part au Gabon. Il rentre dans les eaux, c'est l'ange Gabriel. Il est en train de détruire et de se battre avec le démon qui est dans les eaux. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, cette femme sort des ténèbres pour commencer à briller. La gloire de Dieu se lève dans sa vie parce que le temps de Dieu est arrivé. Je suis en train de détruire, de renverser et de briser. Mettez de l'huile sur la pointe de ses pieds et de l'huile sur le ventre. Parce qu'il y a comme un problème de célibat et un problème d'enfantement que Dieu est en train de briser. Cet enfant ne mourra pas. Tu ne mourras pas parce que le temps de Dieu pour toi est arrivé et tu verras la gloire de Dieu. Je commande, je libère. Tu as été consacré par un blanc. Hein? Oui. Je vois un blanc qui avait versé l'huile sur ta tête. C'est un homme de Dieu oint. Comment il s'appelle? Prophète Chavez. Chavez. Il a versé l'huile sur ta tête. C'est un homme oint de Dieu. Mais je vois un autre homme de Dieu qui veut, qui t'a dit, il faut qu'on te reconsacre. Hein? Il veut arracher l'étoile qui est sur toi. Il y a des hommes de Dieu qui sont aussi des mystiques. Faites attention. C'est pas tout le monde qui vient pour ta grâce. On a parfois l'œil ouvert et d'autres viennent souvent pour arracher ce qui est sur nos vies. Il a vu la grâce que le prophète a mis sur toi. Il veut te reconsacrer, mais en fait, il veut enlever ce qui est sur ta vie. Mais écoute-moi très bien, tu ne mourras pas et le programme, tu ne dois même pas accepter de faire cela. Ta fille va revenir. Ta fille va réapparaître. Elle va réapparaître. Soyez vigilants. My God, my Father. Donnez-moi de l'huile. Enlevez leurs alliances. Mettez dans ma main droite. Je veux renouer, restaurer, réinstaller le mariage dans vos vies que l'ennemi veut détruire. Donnez-moi de l'huile. Brayabo kabarabo shayaha. Le kadaba kadabo shakada. Rokaboka rabokore. Reboro raboka. Pendant que je prie pour eux, aidez le monsieur. Parce que dans sa famille, du côté paternel, il y a une instabilité familiale. Du côté de son père, il y a des gens qui ont du mal à se stabiliser. Mais pendant que je commande ce soir, je libère et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui même, le mariage est restauré. La relation est restaurée. Je brise et j'annule tout ce qui est célibat au nom de Jésus. Je libère l'huile. Et je commence ce soir que la main de Dieu, la faveur de Dieu tombe sur toi au nom puissant de Jésus. Aidez-la. Je vois la maladie qui veut te détruire. Il y a un programme de maladie que l'on veut envoyer dans ta vie pour te libérer, pour te détruire. Maintenant, tiens-toi debout. Tout le monde se tient debout. Tiens-toi debout. Lève les deux mains. Donne-leur leur alliance. Donne-moi pour la dent. Ouais, pour la femme, c'est pour toi, maman. C'est pour toi qui es ici. D'accord. Je répare la relation au nom de Jésus. Vous avez un projet de maison? Vous voulez bien? Je vois une maison sortie de terre. Pendant que je suis en train de prier, Dieu t'amène à une autre dimension. Je commande ce soir et je prophétise que la main de Dieu arrive dans ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus.